Alors avant de pouvoir envisager le réglage de l'exposition globale de votre photo, une étape incontournable à mon sens, au préalable, c'est le réglage de la balance des blancs. Je ne fais jamais de réglage d'exposition avant d'avoir réglé la balance des blancs de mon image. Donc je ne vais pas passer tellement de temps sur ici le module balance des blancs, puisque l'objectif du petit tuto c'est surtout l'exposition. Si vous suivez mes tutos, vous avez l'habitude de voir comment on procède pour le réglage de la balance des blancs. Donc je ne vais pas rentrer dans les différentes possibilités que vous avez, donc le panneau déroulant ou les différents curseurs. Je vais procéder à la pipette, donc je clique sur la pipette. Je vais chercher une couleur neutre, un petit peu gris clair. Et ça me permet de rétablir un équilibre, voilà, en cliquant sur l'ensemble de l'image. J'ai donc ici réglé ma balance des blancs. Si vous vous êtes trompé, hein, je répète la petite astuce qui consiste à double-cliquer ici sur BB, donc balance des blancs, et donc ensuite vous pouvez recommencer. Donc là en l'occurrence j'ai réglé ma balance des blancs. Je suis l'ordre finalement que m'impose Lightroom, enfin que me propose Lightroom, vous voyez, dans l'ordre des panneaux. Le premier panneau étant le réglage de la balance des blancs, et le deuxième le panneau correspondant à l'exposition, au réglage de l'exposition dans son ensemble. Donc en ce qui me concerne, pas de réglage d'exposition avant un réglage de balance des blancs. Cela étant fait, on peut passer à la partie suivante qui correspond bien à l'objectif que l'on s'est fixé ensemble sur ce petit tuto, à savoir le réglage de l'exposition globale.